Hyssen? Ouais. Hyssen, I lost my dog. I lost my dog. I don't know where I mean my dog. I want to you help me. Ouais, je sais pas, frère, je me suis emporté. Oui, ok, a disparu, gros, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, mec. J'étais en train de travailler, je suis dans le salon, je sais pas où elle est, tu viens de m'aider, gros. Je sais pas, mec, j'ai la flemme. Comment ça, t'as la flemme? Mais sale bâtard, je te paye. Ah, ok, vas-y, c'est bon. Ah, je suis bien, mec. Ok, mec, attends, deux, c'est quoi deux secondes? J'ai un traceur, j'installe un traceur GPS sur elle. Mec, je suis tellement parano, on sait jamais. Hop. Mais gros, elle est en train de s'éloigner de chez moi. Mec, elle est en train de s'éloigner de chez moi. Je sais pas, elle a pris un taxi, je sais pas, elle est en train de partir. Viens tout de suite, je t'attends là, viens. Mec, t'es enfant, mais gros, mais. J'étais en train de taffer, gros. J'étais en train de taffer, mec. J'entends un bruit. Donc je sors, tu vois. Je regarde. Ok, elle est nulle part, gros. Elle est nulle part. Mais un chien, ça sort pas comme as. Elle a pas les clés. J'ai acheté un traceur GPS que je lui ai mis sur elle. Et mec, je la vois s'éloigner de seconde en seconde, gros. Donc soit elle a pris un taxi, ce qui est très bizarre. Soit quelqu'un a récupéré au cas, je vois que ça. Bon, vas-y. Ouais, ok. Viens, on prend ta voiture ou quoi? Bah oui, on voit. Vas-y, on y va. Très cher Sora, je me suis emparée de ton bien le plus précieux, Oka, vois-tu. Ta petite princesse, comme tu l'aimes l'appeler. Donc, voilà, si t'as envie de nous retrouver, bah écoute, amuse-toi. On va bien s'amuser, ma petite Oka, hein. Petite princesse, comme il aime t'appeler. Oh. On va faire un premier arrêt dans une petite boutique pour, bah, justement, l'habiller en princesse, hein. Et je pense que ça va être super drôle. Allez, viens, Oka. Du coup, c'est parti, première boutique. Une boutique pour animaux. Et j'espère vraiment lui trouver un petit ensemble pour Vogue, tu vois. Genre les défilés et tout. Ah bah mais Oka, s'il te plaît, on s'en fout des crottes de chien. Allez, viens. Ah bon, alors, où est-ce que je vais trouver? Doucement, Oka. Oh. Bon, il n'y a pas de truc princesse, parce que mon but, c'est de la transformer en princesse. Donc, on va essayer de lui trouver une petite, je sais pas, soit une doudoune ou un petit impair. Ok, fais un effort, s'il te plaît, regarde avec moi. Est-ce que tu aimes le rouge? Le rouge salope, ça te parle ou pas? Tu aimes ça, le rouge salope? Tu aimes le rouge salope? Hein? Tu veux? Oh, non, bah, je suis super doux. On va lui essayer celui-là. Attends. Ok, bouge pas, s'il te plaît. Pitié pour moi, ne bouge pas. Tadam! Regardez comment elle est belle. Tu t'en branles, hein? Elle s'en fout royale, quoi. C'est chiant, c'est moi où il a tout le temps l'air d'être au bout de sa vie. Regarde. Mais ok, on est censé s'amuser. Si je t'ai kidnappé comme une psychopathe, c'est pour s'amuser, hein? Allez, c'est parti pour la Bretagne, c'est ça? Elle est magnifique. Ok, c'est bon, je suis dans la voiture. On va suivre le signal GPS que Oka nous envoie. Mais quoi? Mec, j'ai Dooms qui m'envoie une story. Ça peut pas être une coïncidence, mec. Ça peut pas être une coïncidence. J'ai trois vidéos. Wow. Ok, alors la première. Elle est chelou, non? Elle est chelou de ouf. Attends, il y en a une deuxième. Je me suis emparée. Mec, c'est le cas au cas. Arrête. Mais si, gros. Donc, voilà. Si t'as envie de nous retrouver, bah écoute, amuse-toi. Comment t'es bête, petit. Mais ouais, t'es gros. Mec, elle est en train d'acheter des trucs pour Oka. C'est une princesse des mers, hein, où elle va aller chasser, enfin, chasser, récolter des. Gros, elle a un caouet. Mais wesh. Donc là, mec, tu vas accélérer, frérot. Bah, j'ai un feu rouge là. Et. Accélère quand même. Bon, on vient d'arriver ici, je suis en train de suivre le traceur et le traceur m'indique qu'ils sont passés par là. Il y a eu une boutique, puisque vous l'avez vu, elle a acheté son meilleur kawaii à Oka. Et gros, il y a une boutique de, je sais pas, d'animaux pour chiens ou de trucs pour chiens, je sais pas quoi. Écoute, on va aller voir, on va aller checker à l'intérieur, gros. La boutique, elle est vraiment assez petite, donc elle peut pas se cacher, elle a pas 50 endroits où se cacher, tu vois. C'est quoi ça, mec? C'est une preuve. C'est une preuve, gros. C'est le kawa qu'elle a acheté pour Oka, mec. Mec, elle est forcément passée par ici. Mais gros, le traceur, elle est déjà repartie, mec. Elle est sur l'avenue, gros. Elle est sur l'avenue. On vient de la rater, là. Putain, mec, on va pas y arriver, gros. Mec, il s'éloigne de plus en plus. Mec, elle va amener où mon chien comme ça? Mec, elle va finir à Marseille, hein. On va la choper avant. On repart en voiture, mon gars. Et on la suit, gros. C'est parti. Vas-y. C'est fermé, mec. C'est toi qui as les clés. Dooms, elle le sait pas, ça. Mais moi, le traceur, il me permet de faire des trucs de ouf. Je peux faire sonner Oka. Je peux faire vibrer Oka. Vous savez quoi, on va la faire tout de suite? Déjà, je vais la faire vibrer, déjà. Mec, elle va pas comprendre. Je vais la perturber, gros. Oui, c'est bien, bébé. Voilà. Voilà, ma chérie. C'est bien. Pourquoi ça? Pourquoi tu sonnes comme ça?
Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, mec, tu sais ce que je peux faire aussi? Je vais l'appeler. Regarde, regarde, regarde. Ah, je suis sûre que c'est Sora qui doit... Allô? Attends... Sora? Allô? Meuf, d'où tu prends mon chien? Ah, je suis mort de rire, putain. Bah, en fait, je trouvais que tu la traitais pas vraiment comme une princesse. Mais comment ça? Elle devrait vivre dans un château. T'es en train de dire que tu as pris mon chien parce que je suis pas assez bien pour elle? Oui. Mais je vais te pister jusqu'au bout du monde. Écoute, Sora, tu es sûrement dans le cul d'une vache, je ne t'entends pas. Je vais te mettre un coup de tête, j'arrive. Écoute-moi bien, Dooms. Je sais pas tu te prends pour qui, mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai acquis, pendant de nombreuses années, des compétences très particulières. Je vais te chercher, et je vais te trouver, et je vais te mettre une grosse balayette, sa mère! On va lui mettre une balayette ou quoi? Grosse balayette, sa race! Waouh! Je suis très impressionnée, dis-moi. Oka, tu t'en fous, hein? C'est quoi, elle vit sa meilleure vie? J'ai simplement envie de te dire ça, tu vois. Mais tes menaces, tu peux te les carrer dans le cul, hein, comme d'hab. Voilà, à la deuxième étape, le château de Versailles. Je suis désolée, Oka, comme il le dit, il appelle tout le temps ma princesse. Une princesse doit vivre dans un château. Ok, Oka, on va aller voir ta nouvelle maison. Allez, c'est parti. Le mariage aura toujours qu'une seule vie à regarder dans tes rêves. Lève les yeux au ciel et change ta vie en aventure. Bon, écoutez, on s'est fait refouler, voilà. Bah, les doigts pas être de sang pur, je ne sais quoi. Je peux pas rentrer dans Versailles avec le chien. Donc, on va se retrouver dans un lieu plutôt sympa, avec une belle pelouse, normalement. Allez, on y va. Chauffeur, au parc du château de Versailles. Je sais pas si vous voyez, mais wesh, on est à Versailles. On est vraiment à Versailles. Qu'est-ce que mon chien va foutre à Versailles? On vient de se garer et de se poser juste ici, pas loin du dernier endroit où on a eu la position GPS d'Oka. C'était dans un jardin à côté du château de Versailles et elle nous a envoyé deux vidéos qu'on va lire tout de suite. Mon ami Sora, nous avons emmené notre très chère princesse dans ce qui doit être sa maison, le château de Versailles. Mais qu'est-ce que vraiment, j'ai de Versailles? De retrouver dedans. Et oui, il est temps qu'elle aille s'asseoir dans son trône. Je ne parle pas des chiottes, voilà. Hein? Mais quoi? Elle a trouvé un petit prince. Enfin non, j'ai décidé de la marier de force à Volt. Donc voilà. Elle veut marier de force Oka, gros. Faut qu'on ait la sauver, gars. À quel moment c'est possible, ça? Mais gros, Oka, j'ai toujours dit, elle restera pure et innocente toute sa vie. Y a pas de marié, y a rien du tout. Y a que dalle. Et en plus, je viens de terminer, gros. Elle nous a envoyé deux autres vidéos, frérot. Ta chair et tante vient de déféquer, donc du coup, j'ai décidé de lui accrocher sa merde. En fait. Mais quoi? Elle s'en fout, hein. Ça la dérange pas du tout. Elle a vraiment accroché le sac de merde sur Oka, gros. La peau. Je prends la position GPS, gros, on y va tout de suite, c'est n'importe quoi, frère. Regarde, nous on est ici, donc on est pas loin du château de Versailles, tu vois, le château de Versailles est juste là. Et eux ils sont derrière. Je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a amené mon chien ici. Donc mec, on va y aller, c'est dans cette direction. Gros. Ok, vas-y, on y va. On y va, mec. Ah, non, c'est pas possible, moi, c'est pas possible. C'est on va aller par là, on va faire le tour. Allez, c'est parti. Allez. Meuf, je suis sur tes traces, ok? Je te suis, je te traque, j'arrive au jardin. Bouge pas! C'est quoi ce manque de respect sur mon chien? D'où mon chien? Il doit porter son propre sac de merde. C'est quoi ces conneries? Oka, très cher Oka, nous sommes dans un parc où tu es accepté. Car la France a un peu du mal avec les chiens. Partons à l'aventure, Oka. Oka, go Oka! Allez Oka! Attends-moi Oka quand même. Attends-moi. Non Oka! Oka s'il te plaît. Oka! Vous savez ce qui pourrait être drôle? C'est qu'on croise un peu Monsieur Sora. Voyez-vous? On lui fout un peu les boules, comme quoi je m'amuse super bien avec sa chienne. Normalement, il devrait arriver par cette direction, donc on va essayer d'y aller. Et on va voir. Allez, allez Oka. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment, vraiment pas loin. Putain, vas-y, faut qu'on se gare là et mec, qu'on y est rapide. On est juste à côté, bon, donc on va se garer. La marque est là, elle a changé de position. Mais elle, c'est flash, hein, elle tape des sprints. Hein. Mec, elle va super vite. Quand on va quand même se garer, on va sortir de la voiture et on va continuer à pied. Oka! C'est le meilleur truc! Cette chienne est trop intelligente, regarde! Donne la patte! Oui! C'est mieux!
ça fait 10 minutes qu'on cherche partout. Pourtant, la localisation GPS, elle donne ici en fait. Mec, je sais pas où elle est, ça rend fou. Et c'est pas elle dans le fond là? Mec, c'est elle là-bas, non? Mais gros, c'est elle. Mais gros, c'est elle là-bas. Putain, merde, viens, ok. Vite, gros, mais viens ici. Mais dépêche-toi, gros, mais vite. Viens, prends la voiture. Allez, rentre. Mais je rigole pas, on monte dans la caisse, on les rattrape. On vient d'entrer dans la voiture, on est en route vers la position de Dooms. Qui avance, je sais pas où elle va, mais elle avance et elle vient nous envoyer une story. Ok, mec, t'es passé à ça. Mais juste à ça pour récupérer ta précieuse. Mais je la garde encore un peu, hein. On se retrouvera peut-être un jour. Mais jusqu'à où elle va aller comme ça, gros? T'inquiète, nous on est en mode Fast and Furious, 190 km dans Paris, regarde, fume le drift. Oh putain, on va super vite, mec. On est actuellement à 40 km/h. À peu près. Dans les bouchons. Écoutez les amis, fallait que je vous fasse une petite séquence maintenant dans la voiture encore une fois. Parce que là, le chemin, au début, il me parlait pas du tout. Puis plus on avance, et plus le chemin, je le connais, tu vois. Parce que c'est le chemin que j'ai emprunté pendant des années. Parce que... Wesh, on va où mes parents habitent. On va là où j'ai habité à côté de Disneyland. J'ai vu sur l'application du Tracer qu'elle était dans la ville de toute mon enfance, mec. Je sais pas ce qu'elle est allée foutre là-bas. De toute façon, Sam, let's go. Tu rentres pas chez toi tant qu'on a pas trouvé mon chien. Non, c'est bon, ouais, mais gros, mec, j'entends pas, gros. On va retrouver mon chien, on y va, on touche au but. On y est presque. En fait, on est chez la famille de Sora, en fait. Il a grandi ici, donc je me suis dit que c'était trop beau, en fait. Vous imaginez, je suis genre de meuf à squatter la famille de mon pote. Genre comme ça, au calme, tu vois. Ramener son chien, je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Mais par contre, ok, viens, tu vas t'amuser, petite princesse. Viens, tu vas là-dedans. Allez, tu me fais un parcours. Allez, hop. Allez, non, tiens, tout à l'heure, tu l'as fait, Oka. Allez. Non, mais sérieusement, allez, Oka, va là-dedans. Allez, va le chercher. Non mais sérieusement. Non mais Oka. Va là-bas, viens. Oka, viens. Non. Oui, non. Non mais Oka, franchement tu chies là. Non, c'est bouché. Sors de l'autre côté maintenant. Sors là-bas. T'es bien. Allez Oka. Oui. Allez. Et voilà. J'ai réussi. On y est, c'est bon. Putain, la destination finale, mec, ça me bute, frère. Tout ça, tout ce chemin pour arriver ici, chez mes parents. Gros, elle est dans mon jardin, elle est en train de taper sa meilleure balançoire. En plus, elle a eu la déterre, la meuf, elle a fait tout Paris. Elle a voulu me faire galérer. J'espère vraiment que la vidéo, elle vous plaît, parce que on a tellement couru partout pour ça, ça rend ouf. Mais bref, on touche au but, on y est. On va aller chez mes parents et on va récupérer mon chien. Parce que j'attends que ça de récupérer mon chien et de rentrer chez moi. Putain, frère, il est quelle heure? Il est 19h13. C'est la journée. Ça me prend la tête. Viens, on y va tout de suite, gros. On y va. Mais meuf. Mon bébé d'amour. Oh là. Ouf, Sora. Meuf, tu m'as fait gagner dans un parc. Tu m'as fait faire partout là. J'ai couru partout. Elle kiffe le caméraman. Tout ça, meuf, pour venir chez moi. Ouais, bah, j'avais envie qu'elle ait une petite après-midi de princesse. Et tu pouvais pas me demander, je te la prêtais pour la journée? Ah, mais c'était plus drôle si tu la cherchais. Tu me connais? Ah, oui, bah oui. T'as vu comment elle est belle avec... À la base, je lui mettais une robe de princesse, mais j'ai pas trouvé. T'es magnifique, mon bébé d'amour. Oh oui. Bon bisous, bon oui. Elle est trop belle. Bon les amis, on y est, on est arrivé chez moi, du coup, chez mes parents. C'est beau quand même comme fin. Là en fait, on est parti et on est revenu là où tout a commencé. Mais ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Où tes vidéos ont commencé. Mais t'es archi casse-couille. Bah quoi, parce que du coup, on a passé 2 heures dans les bouchons. Des belles images de moi en train de dormir. Vraiment, t'as dormi? Mec, elle a vraiment tapé sa meilleure sieste. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, c'était grave drôle. Eh, je t'ai raté de peau au bois. Qu'est-ce que t'aurais fait si je t'avais chopé? Je sais pas, bonne question, coup de pied. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous a fait kiffer, la vérité, le petit pouce bleu. Au calme, le petit pouce bleu ou quoi? Sans pas les couilles. On a rien à foutre, frère.
Elle a passé sa meilleure après-midi, gros. Elle m'a complètement oublié. Bref, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Dooms qui est dans la description si j'oublie pas. Je vous fais des gros bisous. Gardez le sourire. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, comme d'habitude. Portez-vous bien. Souriez. Bye bye. Ciao.